Que Dieu, notre Père, et Jésus, le Christ, notre Seigneur, vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Bien-aimés dans le Christ, en ce troisième dimanche de l'avant de l'année A, la liturgie de la parole nous convie de célébrer, de prier et de contempler. Gaudete signifie la joie. Soyez toujours dans la joie du Seigneur, je leur ai dit, soyez dans la joie. La lettre de Saint Paul-Apôtre aux Philippiens, chapitre 4, verset 4. Saint Paul nous rappelle et nous rappelle encore que nous sommes citoyens dans le ciel. Nous ne sommes pas de ce monde. Un comportement digne de l'Évangile doit nous habiter avec humilité sans nous préoccuper des biens de ce monde, sans nous préoccuper des intérêts personnels, mais plutôt de voir l'intérêt de l'autre. L'apôtre parle de joie alors qu'il est lui-même enchaîné, en prison, et tandis que les dessinateurs de cette lettre sont aussi en difficulté, en proie à la terreur, à la souffrance, à la persécution, bien aimé dans le Christ. Pour les chrétiens, la joie n'est donc pas le résultat d'une vie facile et sans difficulté, bien aimé dans le Christ. Ce ne sont donc pas la douleur ou les difficultés qui s'opposent à la joie, mais plutôt la tristesse, qui peut naître du manque de foi, manque de foi et d'espoir dans de telles situations. Bien-aimés dans le Christ, si nous sommes tristes, nous resterons tristes, nous resterons dans la douleur et la joie sera très loin de nous. La joie ici, les gaudettes ici, ce n'est pas rire aux éclats, ce n'est pas ricaner, ce n'est pas rigoler. La passion opposée à la joie est la tristesse. Causé par le fait de ne pas posséder le bien-aimé. Si l'origine de la joie est l'amour, nous avons dit qu'elle était effet et acte de la charité. L'origine de la tristesse est donc l'égoïsme. L'ego qui nous habite, nous voulons que tout tourne autour de nous, nous voulons que c'est nous qui gagnons pas les autres. L'égoïsme est vraiment l'origine de la tristesse. Et la tristesse s'oppose à la joie. Bien aimé dans le Christ, Saint Thomas d'Aquin dit que la tristesse a sa source dans l'amour désordonné de soi, qui n'est pas un vice spécial, mais qui est comme la racine commune des autres vices. La tristesse est donc considérée comme une maladie de l'âme, qui peut tout détruire, qui peut tout bloquer, qui peut nous causer dans la misère. Bien aimé dans le Christ, la joie de vivre doit nous habiter. Cela doit être la joie de l'évangile pour ne pas tomber dans la tiédeur spirituelle, pour ne pas tomber dans le vagabondage spirituel. La joie doit nous habiter, peu importe la tristesse, peu importe les angoisses, peu importe les situations que nous sommes en train de vivre, entre autres la mort, hein, perdre un très cher, manquer de l'argent, manquer des moyens pour vivre. Toutes ces situations nous plongent dans la tristesse. Mais le chrétien lui qui doit garder la paix du cœur, la paix de l'évangile, la joie de l'évangile, qui l'engage à être libre vis-à-vis -vis de tout ce qui peut l'attrister et gagner dans la joie au Christ. Pourquoi Parce que la tristesse crée un vide intérieur, la tristesse crée l'isolement, la tristesse crée l'envie de tout genre, bien-aimé dans le Christ. La rencontre de celui qui vient, que le Christ, nous permettra, ou bien nous permet, de pouvoir vivre une circonstance de joie, de pouvoir vivre des vrais moments de joie. Dans les évangiles, on peut bien le remarquer, les différentes rencontres que Jésus a avec plusieurs personnes, c'est toujours des vrais moments de joie. La part de l'évangile d'aujourd'hui, les gens posent la question de savoir. Jean le Baptiste lui-même qui envoie ses disciples, parce que Jésus est en train déjà de faire ses miracles, de prêcher déjà, il va dire allez-y, vous poser la question de savoir es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre Jésus dit aux disciples et des gens allez dire à Jean, allez annoncer à Jean ce que vous avez entendu, ce que vous avez entendu et ce que vous avez vu. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les leprés sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Voilà. Ces discours programmes sont des rencontres de joie. Les aveugles qui retrouvent la vue, c'est la joie. Les boiteux qui marchent, c'est la joie. Les leprés qui sont purifiés, c'est la joie. Les sourds qui entendent, c'est la joie. Les morts ressuscitent, motif de joie. Les pauvres reçoivent la bonne nouvelle, c'est vraiment la joie qui s'incarne en nous, la joie qui habite parmi nous. Voilà la joie auquel les évangiles ou auquel la parole de Dieu de ces dimanche nous convie. C'est la paix du cœur, c'est la justice, c'est l'amour vrai qui déclenche la joie. Et cette joie doit être vécue dans un esprit de foi. Ta joie ne doit pas être une joie que nous pourrions dire physiologique, une joie d'animal bien portant, mais une joie surnaturelle qui procède de l'abandon de tout et de toi-même dans les bras aimants de Dieu notre Père. Quand Jésus appelle les génomes riches de tout abandonner pour les suivre, les génomes riches étaient devenus tout tristes parce qu'ils avaient beaucoup de biens. L'attention bien matérielle nous attriste. La tension bien matérielle nous plonge dans les compromis et nous manquons la joie. Ce n'est pas le fait d'avoir autant d'argent, d'avoir un compte bancaire bien fourni qu'on est heureux, ce qui est faux. La joie, c'est la paix intérieure. La joie, c'est les vivre avec les autres. La joie, c'est la concordance. La joie, c'est l'harmonie. La joie, c'est la fraternité. Pas autre chose que ça. La paix du cœur qui doit nous habiter pour que, peu importe les difficultés, nous puissions être sereins et sereines. Ouvrons nos cœurs alors à la rencontre de celui qui vient pour que notre joie soit toujours une joie grande, une joie qui nous fait revivre, une joie à la redécouverte de celui qui vient. Bien chers frères et sœurs, que cette parole de Dieu nous donne la joie de vivre, que cette parole de Dieu au sujet de la joie, Console le faible, visite les malades, accorde la guérison à toute personne qui en a besoin. Que le Christ habite parmi nous, qu'il soit toujours et déjà notre motif de joie. Recevez la bénédiction du Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.